Chers amis de Musiques au coeur, bonsoir. Je pourrais vous dire que celle que vous allez écouter tout au long de cette soirée vient d'obtenir une victoire en chantant. Et là, il ne s'agirait pas seulement d'une formule, mais d'une belle réalité, puisque Natalie Dessay, c'est elle, a été couronnée par une des victoires de la musique classique. Alors, non seulement elle a des aigus admirables, non seulement elle a des yeux pas mal du tout, non seulement elle est l'une de ces prima donna tellement courtisées, recherchées, plébiscitées, admirées que sont les sopranes coloratures, mais encore, vous allez pouvoir l'écouter dans les plus grands airs du répertoire, le plus difficile qui soit et le plus admirable aussi. Elle est ce soir accompagnée par les musiciens de l'orchestre Colonne, dirigé par Bertrand de Billy. Vous avez entendu un extrait du fameux air des clochettes de l'Acmé. Alors, pourquoi se priver du reste? Je vous le demande. Thank you.
Natalie Dessay, le succès, donc le triomphe, je le disais à l'instant, et forcément des sollicitations de toutes parts, des bouquets de fleurs, des invitations à souper, des cadeaux. Est-ce qu'on se prend la grosse tête dans ces cas-là ? Non, au contraire. Plus il y a tout ça, plus je freine des deux pieds et je reste dans mon coin. Ça tient à quoi ? À une nature profonde, à un mari, Laurent Nauri, qui est aussi dans le métier, et qui a les pieds sur terre et qui construit lui aussi sa carrière comme la vôtre. À quoi cela tient ? Ça tient, je crois, effectivement, aux pieds sur terre, tous les deux. On a une vie très, très stable, même si on bouge beaucoup, elle est très stable dans le fond. Donc, on tient à ce que ça le reste pour tous les deux, parce que c'est une condition de survie, une condition de durée, à la fois pour notre couple et pour notre carrière individuelle. Alors, je dirais, ils disent tout ça au début, vous savez, le truc désagréable. Oui, c'est vrai. Mais quand même, plus ça va, plus je freine. Et ça, je suis assez contente, parce que des choses que je n'osais pas faire avant. Je n'osais pas dire non, par exemple. Oui, ça, c'est pas évident. Bon, alors ça, c'est pas facile au début d'une carrière. De dire aux gens, mais non, je ne peux pas, c'est trop tôt, j'ai pas le temps. Mais là, il faut que je me repose. Maintenant, bon, bah, quitte à me fâcher avec les gens, j'ai décidé qu'il fallait, pour ma propre survie, qu'il y ait des plages de repos et des plages de travail personnel aussi. Parce que les gens ne se rendent pas compte que lorsqu'on a, par exemple, 3-4 opéras à la suite, quand ce sont des nouveaux rôles, tout ça, ça se prépare des mois à l'avance. Et on a donc besoin de temps pour ça. Et c'est pas seulement du temps dans les productions où, une fois qu'on est dans une production, on apprend le rôle suivant, parce que là, c'est de la folie. Il faut penser bien avant et à très longue échéance, quoi. Alors, d'une certaine manière, c'est vrai qu'on le sait, tout cela. On sait qu'une voix, ça se protège, qu'il n'est pas de grande carrière sans une santé très solide, qu'il faut se débarrasser des importuns, que la vie n'est pas une vie mondaine. On a beaucoup reproché à la Calas d'avoir mélangé à la fois les mondanités et la carrière. Donc, vous allez vous trouver face à un certain nombre de sollicitations. Vous me dites que vous allez vous protéger. Mais comment est-ce que l'on se protège par le travail et par un soin porté à sa propre santé? Je crois que moi, en tout cas, je connais très bien mes limites physiques. Donc, je sais qu'au bout d'un certain nombre de représentations, un certain nombre de productions à suivre, le corps ne suit plus. Donc, systématiquement, si j'en fais trop, et je sais où se situe la limite exactement, je tombe malade. Donc, ça s'auto-régule.
Donc, de façon à ne pas tomber malade, il vaut mieux prévenir, c'est-à-dire s'octroyer des périodes de repos après chaque production. Et je crois qu'on peut se le permettre à mesure qu'on avance dans la carrière et que justement on est très sollicité. Et donc on peut se permettre de choisir davantage et mieux ce qui se présente à vous. Alors vous dites le cœur et quand on regarde le vôtre, pardonnez-moi. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas ça, c'est léger, léger. Et on vous voit arriver sur scène dans des rôles qui demandent justement non seulement une acrobatie dans les aigus prodigieuses, mais une force physique. Mm-hmm. On écoutera La Reine de la Nuit tout à l'heure, mais c'est un air qui demande une violence. Mm-hmm. Vous pesez combien ? 47 pour l'instant. 47. Donc, c'est fini le mythe de la cantatrice étoffée, pulpeuse, pour ne pas dire pneumatique. Oui, en tout cas, pour ce qui est des sopranos légers, parlons de ce que je connais, elles sont toutes de mon gabarit. Il n'y a pas de soprano léger qui fasse 1m80 et 95 kg. Enfin, j'en connais pas. Peut-être ça existe, mais c'est suspect. À mon avis, ils ne sont pas si légers que ça à tous les points de vue. Est-ce que ce sont des carrières longues, les sopranes légères, voire colorato ? C'est-à-dire que, bon, moi j'espère évoluer, bien sûr, et ne pas rester soprano léger, mm-hmm. léger. J'espère pouvoir chanter du bel canto, pouvoir chanter jusqu'à Lucia, qui est quand même, je pense, un des rôles les plus lyriques que je pourrais faire. Je n'irai pas, hélas, jusqu'à Traviata, ça je crois le savoir. Donc j'espère... On ne sait jamais, hein, vraiment. Oui, on ne sait jamais, mais il faudrait que je prenne et 20 cm en taille, et 20 kg, mm-hmm. ou au moins 10, donc... Les 10 kilos, ça sera peut-être plus facile que les 20 cm en hauteur, quoi. Donc, non, il y a une question physique, tout simplement. Je crois qu'on ne peut pas... C'est vrai que Strata, c'est plus petite que moi. Mais oui, okay, okay. Il y a des exemples. Mais elle a commencé sa carrière avec Traviata. Donc, c'était décidé d'avance. Moi, je vais vous couvrir de bijoux. On va écouter Candide, parce que c'est ça, finalement. C'est offrez-moi des bijoux. Plutôt arrêtez, veux ma vertu. Je veux ma vertu, mais ça, personne n'y croit. Donc, on va tout de même faire un effort. Elle non plus.
Oh, how can worldly things take the place of honor lost? Can they compensate for my fallen state? Purchased as they were, at such an awful cost. Bracelets, lavaliers, can they dry my tears? Can they blind my eyes to shame? Can the brightest brooch shield me from reproach? Can the purest diamond purify my name? And yet, of those these trinkets are endearing. I'm also glad my sapphire is a star. I rather like a 20-carat earring. En fait, c'était la flûte d'Aix en Provence, la flûte enchantée, le premier grand succès public. Un des, en tout cas. Le tout premier fut la poupée à la Bastille en 92. Oui. Ensuite, il y a eu Vienne avec toujours la poupée. Je parle en France. Hein. Ah oui, en France, c'est le deuxième. Alors, c'est la deuxième chose très importante. Et en plus, c'est Aix-en-Provence, donc c'est particulièrement émouvant sentimentalement. Je vais vous coincer là. Parce que vous me disiez tout à l'heure, maintenant je sais dire non. Vous vous rappelez, vous nous aviez dit non. Pour la flûte enchantée. Oui. La première fois qu'on vous l'avait demandé, 91, bicentenaire de la mort de Mozart, vous nous aviez dit non. Et comme on avait insisté, vous aviez dit oui. Donc depuis, vous avez progressé. Oui, failli pareil. Maintenant, c'est non. Non. C'est pas non, mais. Disons que maintenant, j'ai fait cette flûte. Et je vais la refaire encore à Lyon, à Aix cet été, à Lyon l'année d'après. Mais je pense que ce sera une des dernières fois, parce qu'après, je crois que je ne chanterai pas Mina. Alors, qu'est-ce qui est difficile dans ce deuxième air? Est-ce que ce sont vraiment les aigus ou est-ce que ce sont les écarts dans les notes? Oui. C'est ça, et c'est aussi le côté dramatique qu'il faut apporter, avec une voix relativement légère, donc qui est la mienne. Le côté mégère non apprivoisé pour le coup. Encore Carson en a fait une gentille. Oui, il a fait une gentille, c'est pour ça que j'ai accepté. Oui, il en a fait une gentille. Je suis comme certains acteurs américains qui ne veulent jamais jouer les méchants. Parce que là, elle est beaucoup plus proche de sa fille. Oui, oui. Justement, elle se mélange, c'est ça qui est très beau dans cette mise en scène. C'est qu'on ne sait plus qui est qui. Qui est la fille, qui est la mère, c'est une espèce de femme-enfant qui joue à être méchante pour le bien de sa fille, donc c'est assez beau. Comment c'est Carson de travailler avec lui? C'est super parce que d'abord il prépare extrêmement bien tout son travail. Il connaît extrêmement bien l'œuvre, la musique et son travail est très très précis. On sait exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait, dans quelle conception générale on le fait. En plus, il choisit toujours des décorateurs merveilleux, et donc c'est toujours visuellement très beau. Et ça aussi, c'est très porteur. Oh!
Mais vous aussi, c'est bien que lorsque vous avez le trac, vous avez le trac. Parfois, oui. Parfois, pas systématiquement. Pas toujours, non. Et curieusement, j'ai eu beaucoup moins le trac pour l'acmé à Paris que pour toutes les poupées ou les reines de la nuit ou les rôles beaucoup plus courts que j'ai eu à faire. Voilà, non, mais je pense que c'est beaucoup plus difficile. Tout le monde, par exemple, la reine de la nuit, c'est le rôle type à trac, où on sait que toute la salle attend les deux malheureuses heures de la reine de la nuit qui sont les plus périlleux. Les poupées, donc, c'est pareil, tout le monde attend au tournant, si j'ose dire, de la double croche ou du contre-sol ou... Oui. Sol dièse, dans votre cas, pour l'acmé. Mais je me suis laissé dire tout de même que Placido Domingo, vous avez sorti de cette phase difficile. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Eh bien, il m'a pris par la main, on a sauté tous les deux à pieds joints. C'était... Par-dessus quoi? Et bien sûr... La fosse d'orchestre? Non, nous étions dans une petite salle où il y a un piano, c'était au Staatsoper l'an dernier. Et j'avais tellement peur, j'étais blême, et il l'a bien vu, donc il m'a dit « viens avec moi ». Je me suis dit « qu'est-ce qu'il va me faire ?» Et puis, en fait, nous n'avons fait que sauter à pieds joints tous les deux, la main dans la main. Et c'était très, très marrant. Et effectivement, ça m'a calmée. Il n'y a que lui pour faire ça. Il n'y a que lui pour faire ça. Comme nous le savons bien, Luciano Pavarotti n'entre pas en scène sans avoir son clou tordu ramassé sur le plateau. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des gris-gris, vous? Non, non. Jusqu'ici, j'emmenais toujours du thé que je me faisais chez ça, moi. C'est un gris-gris, c'est pas, oui, c'est genre, pas bien méchant, mais là même maintenant, c'est fini, ça aussi. Non, la seule habitude que j'ai, c'est d'arriver assez tôt au théâtre pour être maquillée en premier, coiffée, habillée, et puis avoir du temps pour me concentrer avant d'entrer en scène. C'était le premier contact avec Jean-Pierre Blivet. Vous êtes entrée directement dans sa classe? Non, en fait, ça s'est fait par l'intermédiaire d'une amie qui nous a présenté. Et ça s'est très bien passé parce que c'est exactement ce que je recherchais pour ma voix et pour l'évolution. C'est-à-dire que c'est une tactique qui est très italienne, d'arrondissement de la voix, d'assouplissement de la voix. Donc là aussi, c'est la technique du moindre effort pour le plus de résultats. Donc on se fatigue moins, et c'est plus beau, plus facile, plus fort, moins fort, mais plus souple, plus rond. Et vous continuez évidemment de travailler avec lui? Oui, ça fait maintenant 3-4 ans que je le vois régulièrement, disons, pas tous les jours bien sûr, parce qu'il est à Nice, je suis pas souvent chez moi, donc on se voit de temps en temps et on réajuste les boulons. Bon, Nathalie, si vous deviez décrire votre voix à quelqu'un qui ne vous connaît pas, comment vous la décririez? Il n'aurait peut-être pas envie d'entendre. Non, non, ça c'est quand même une voix très légère, c'est-à-dire très aiguë dans le timbre, juvénile aussi, je dirais. Parce que quand on vous écoute, ça n'apparaît pas. Vous savez, il y a des voix parler, comme ça de soprano coloratour qui sont, même quand elles parlent dans la vie, qui sont au perché, comme ça, ça fait très opéra, très... Oui, non, mais c'est une question de personnalité, je crois. Oui. Moi, je... Je suis partisane du moindre effort dans la vie.
dans les aigus. Donc une voix très aiguë, très légère, juvénile. Très lumineuse, je trouve. Oui, lumineuse, c'est vrai. Et que je voudrais, au fur et à mesure des années, plus veloutée, plus fruitée, plus ronde. Plus ronde. Pour l'instant, disons qu'elle serait dans les verts émeraudes. Oui. Je la voudrais allant vers les rouges carmin. Allez. Ah, carrément. Non, j'y arriverai jamais, mais disons, vers quelque chose de plus sombre, un tout petit peu plus sombre. J'allais dire de plus mature, peut-être, dans le sens d'une femme plus âgée, puisque vous êtes très jeune. Oui. Je regardais un petit peu votre parcours, et on avait l'impression quand même que c'était... Parce que quand on découvre les gens, on a toujours l'impression qu'à partir du moment... D'abord que c'est soi. Il y a toujours quelqu'un, on a dû vous le faire un nombre de fois qu'elle est là, moi qui vous ai découvert ma petite fille. Alors moi je vous le ferai pas, mais... Moi je suis très contente, à chaque fois que quelqu'un dit c'est moi qui l'ai découvert, je dis tant mieux, je préfère ça plutôt que pas elle, surtout pas elle. Surtout pas celle-là. Mais j'ai eu l'impression que vous étiez quand même une bête à concours. Au début. Ah oui, qu'est-ce que vous avez passé comme concours? Disons, j'ai passé des tas de petits concours et puis... Pas à Vienne, c'était pas des petits concours. Voilà, celui-là, c'était le concours important et c'était l'année où il fallait passer parce que c'était pour le bicentenaire, donc le prochain est à peu près dans 98 ans. Oui, c'était le concours important. Il se trouve que je l'ai gagné. Je ne sais toujours pas comment j'ai fait encore, mais ça s'est donc bien passé. Il y avait une finale à Vienne, on a chanté au Staatsoper, on a fait des concerts ensuite à Prague, à Milan, à Paris. Enfin, celui de Paris, je n'avais pas pu le faire à l'époque. Vous allez débuter au Métropolitain ? J'ai débuté au Métropolitain. Vous avez débuté ? Oui, dans Fia Carmili, c'était au mois de novembre dernier, avec Kirite Kanawa, Chiloman à la baguette. Et c'était une expérience évidemment extraordinaire. Même si c'était un rôle brillant, mais petit. Donc je vais y retourner normalement d'ici un an et demi pour chanter Zerbinette. Et puis après, on a, je pense, d'autres projets aussi en cours. Parlez-moi de Zerbinette. Ça, c'est un des rôles fétiches. Et ça, c'est assez magique. Ça, j'espère le chanter. Personnage. Oui, oui. Racontez-moi Zerbinette, comment la voyez-vous? Comme Grubérova. Parce que c'est la meilleure Zerbinette de ce siècle. Alors, j'espère qu'au fur et à mesure, au fil des années, je vais m'approcher un peu de ce qu'elle a pu donner dans ce personnage, même si on a des personnalités très, très différentes. C'est quand même avec elle que j'ai découvert ce personnage. C'est le rôle qu'il a lancé partout. Et c'est aussi le rôle qui m'a permis de débuter au Staatsoper, entre autres.
De toutes les femmes que vous avez interprétées jusque-là, Zerbinette, la Reine de la Nuit, l'Acmé, quelle est celle avec laquelle vous pourriez être copine? Zerbinette, c'est la plus rigolote. Comment est-elle, Zerbinette? Racontez-moi, Zerbinette. La mienne, en tout cas. Oui. La mienne, vous la voyez comment, cette Zerbinette? La mienne, je la vois avec énormément d'humour et de recul par rapport à elle-même, mais aussi très nostalgique. Pas seulement une coquette qui se moque et qui rigole tout le temps. C'est pas une écervelée, je crois pas. Pas du tout. C'est toujours un peu sous-jacent dans la musique de Strauss. Oui, quand oui. Il y a toujours les deux choses. De recul, oui, un peu plein de nostalgie, avec le regret de quelque chose qui n'est plus... Oui. Qui a été, mais qui n'est plus. Et c'est pour ça qu'elle me touche beaucoup. Mais une Sophie dans Rosenkavalier me touche énormément aussi. Parce que c'est une Marshaline en devenir, oui. On le sait tous. Et c'est une très jeune fille, très naïve. Très pure. Très pure en même temps. Et cette espèce de oui, cette espèce de droiture, d'honnêteté comme ça et de candeur me plaise beaucoup. C'est un métier où on est amené à rencontrer de très près, parce qu'on travaille avec eux. Des gens assez fascinants quand même. Vous avez travaillé avec Placide Domingo. Oh ben là, c'est le rêve, quoi. C'est le rêve, parce que non seulement... Il est pas tant, hein. Oh ouais, il est extraordinaire. Extraordinaire. D'abord, c'est un collègue d'une gentillesse, d'une patience absolument géniaux. Et génial, puisque patience et gentillesse. Oui. Connaisse. Oui. C'est le seul collègue comme ça, mégastar, qui vient dire à chacun, avant le spectacle, bonne chance pour ce qui va suivre, qui se déplace lui-même dans la loge de chacun. Moi, je trouve ça bien, quoi. Alors, quand on parle du maître, on pense aussi à l'autre ténor, Luciano Pavarotti. Vous allez chanter avec lui, on a dit. Je vais chanter avec lui. Je me suis laissé dire. Oui. Je vais chanter avec lui pour le 8 mai à l'Albert Hall à Londres. Et on va chanter Lucia, le duo Lavazza. Le duo Lavazza, le grand duo. Le grand duo, en entier cette fois-ci. Et puis s'il me propose du café à la fin, ça veut dire que j'ai le rôle. Ça veut dire que vous avez le droit d'entériner ce grand air. Je suis très impressionnée, très très impressionnée. Parce que vous l'avez jamais rencontré? Je l'ai rencontré au Met, il me fait comme ça. Oui. Donc c'était très mignon. Mais je ne l'ai jamais plus approché que ça, ni côtoyé. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui est assez fascinant. Oui, je crois aussi. Mais les très grands sont des gens très bien, je crois. Oui. Donc, des rencontres, des personnalités. Mais vous avez commencé à chanter vraiment à quel âge? Vraiment à 20 ans. Vraiment à 20 ans? Oui. J'avais pris quelques cours à 17 ans, mais pas convaincue que c'était vraiment ça que je voulais faire. Donc j'avais quelques notions de musique, j'avais fait de la danse, entre-temps j'avais fait du théâtre aussi, donc tout ça m'a aidée évidemment. Mm. Et puis j'avais fait de l'allemand, je suis allée à l'université. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'une fille qui a 20 ans découvre qu'elle a véritablement envie de chanter, et que ce soit une possibilité? À 20 ans, oui, tout est possible, oui, surtout pour ce métier. Bon, il est évident que si on s'aperçoit de ça à 30 ans, c'est beaucoup plus difficile. Trop tard. Beaucoup plus difficile. Bon, faut jamais dire trop tard. Il y a eu des carrières qui ont commencé comme ça. Oui, oui. Behrens a commencé relativement tard. Elle était avocate, elle a exercé son métier, je crois. Mais c'est quand même relativement rare, surtout chez les femmes. Et entre le premier travail et le premier petit rôle, il s'écoule combien de temps? Il s'écoule... 2 ans. Deux ans, puisque j'ai d'abord, un an après avoir commencé à chanter, je suis entrée dans les chœurs du Capitole de Toulouse. Je suis restée une saison entière à Toulouse. On apprend des choses dans un chœur? Oui, énormément de choses. D'abord, on apprend qu'en sortant du conservatoire, on n'est pas prêt du tout, en tout cas, d'un conservatoire
régionale, pas prêt du tout à chanter sur scène. On a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, et techniquement, et scéniquement, et enfin, à tous les points de vue. Donc c'est, ça fait beaucoup de bien, moi, je trouve, d'être dans le chœur, parce qu'on voit ce qui se passe de très près. On voit les autres. Et comment ils travaillent, oui. Comment ils travaillent, comment ils ont peur. Et comment on en sort d'un chœur ? Gonflé à bloc. Oui, gonflé à bloc pour justement faire autre chose, en tout cas quand on veut faire ce métier en tant que soliste. Mais vous allez rechanter au Capitole ? Oh, sûrement, moi, j'espère, hein, j'espère, bien sûr. On vient d'enregistrer là avec Michel Plasson, Carmina Burana, là à Logrin, et ça s'est très bien passé. Donc, excellent maestro, excellent orchestre. Excellent. Donc, on avance un petit peu. Premier petit rôle. On continue de travailler. Oui. On monte à Paris. Bon, on est à Paris. On monte à Paris pour entrer à l'école de l'opéra. En fait, j'avais passé ce fameux concours France Télécom Voix Nouvelle qui se déroulait dans toute la France. Ouais. Et qui voulait découvrir tout ce qu'il y avait à peu près comme voix en France. Donc, c'était une très très belle initiative, je trouve, à cette époque-là. Ça vous a aidé, ça? Ce concours-là. Oui. C'est ce qui m'a fait entrer à l'école de l'opéra. Donc c'est très important, en fait, les concours. Oui. Certains concours. Oui. Oui, pas tous, effectivement. Ça débouche mais vraiment sur... Moi, tous les collègues qui ont passé des concours et qu'ils ont gagné, en tout cas, ça les a aidés au début, en tout cas. Ça leur a permis de démarrer. Après, bon, il faut faire ses preuves. Il faut effectivement montrer qu'on est capable de la longue échéance et de tenir des promesses. Alors, vous avez chanté un certain nombre de rôles jusque-là. On va écouter un extrait de La Chauve-souris. Vous faites du yoga ou des techniques comme ça, de relaxation, rien de tout ça? Je ne fais aucun sport, je hais le sport. Oui. Donc, comme disait Winston Churchill. L'activité physique, autre que celle qu'on fait dans la vie, normalement. Vous savez ce qu'avait répondu Winston Churchill? C'est exactement la même phrase que je reprends no à sport. Mon compte. Voilà, quel est le secret de votre longévité? Le sport, jamais de sport. Pourquoi vous n'êtes pas allée aux Victoires de la musique à propos? D'abord, pour une très mauvaise raison, et ensuite pour une très bonne raison. Non, je vous donne d'abord la très bonne. La très bonne raison, c'est que je suis donc en pleine représentation de l'ACMÉ. Et que c'est très dur. C'est très dur, très dur. Parce que c'est vraiment un rôle écrasant. Physiquement, pas seulement vocalement. Mais... Donc il vaut mieux, effectivement, se reposer entre les représentations. Et puis la très mauvaise raison, c'est que j'étais sûre que c'est pas moi qui l'aurais. Oui, alors bon, on vous a pas eu non plus. Donc j'étais au fond de mon lit, j'ai regardé la télé et puis j'étais bien nue. Quoi. Vous étiez contente? Ah ouais, bien sûr, ravie. Oh, ben, d'être reconnue par ses pairs, c'est quand même... Oui,
C'est quand même pas mal. Vous avez déjà le public chaque fois qu'il vous écoute. Donc si en plus la profession ajoute à ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un beau passage. Ouais. Quel est le personnage que vous n'avez pas encore chanté? Vous m'en avez dit quelques mots. Il y en a plein, oui, il y en a plein. Mais dis-donc, celle... Les deux, disons les deux qui me hante beaucoup, mais disons, m'intéresse à longue échéance. Je dis bien à longue échéance. On n'appelle pas tout de suite pour dire justement je monte. Non, c'est pas la peine. Non, à longue échéance, ce sera Lucci. Hein. C'est vrai. Ouais. Je n'ai pas encore été à la Bastille. Il va y avoir une première présentation par Luciano Pavarotti interposé. Voilà. Mais... Et puis, à longue échéance aussi, la Loulou de Berg, évidemment. Ouais. Évidemment. Mais là, bon, pour tout ça, il faut attendre. Encore un petit peu. Mais c'est bien. Mais ce sont des rêves et des buts. Il faut avoir, c'est ça, il faut se fixer quelques étapes. Rien ne dit que je le ferai, mais rien ne dit que je ne le ferai pas. Il y a des chefs avec lesquels vous aimeriez... Bon, je sais que vous allez me dire Kleiberg, non? Oui, oui, je sais, nous aussi. Et que nous avons une longue liste d'attente. Je suis sur la liste d'attente aussi. Oui, oui. Ah oui, ça, c'est vraiment... Je crois que musicalement, je serais totalement comblée le jour où je travaillerai avec lui. Vous m'avez l'air plutôt heureuse dans ce moment précis. Ça va bien. Toi, toi, pour que tout ça continue. Okay. Sur la voie royale. Ok.
Eh bien voilà, après cet extrait des Montaigu et Capulet par la divine Natalie Dessay, je voudrais donner rendez-vous à tous ces amoureux, c'est-à-dire à vous toutes et à vous tous, puisqu'elle sera le 8 mai à Londres. D'accord, il faut y aller, mais c'est pas si loin que cela et c'est pas si cher. Et elle sera aux côtés de Luciano Pavarotti, le King soi-même, le 8 mai, donc Natalie et Luciano Pavarotti à Londres. Et puis je voudrais aussi attirer votre attention sur une série de concerts qui sont extrêmement importants. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'ils sont donnés par Marc Laforêt, qui est un excellent pianiste, et ensuite parce que le bénéfice de ces concerts ira aux réfugiés. C'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui a organisé cette série de concerts. Il faut savoir qu'actuellement, hélas, il y a 20 millions, vous imaginez, 20 millions de personnes déplacées qui ont tout perdu dans le monde, et que plus de 70% de ces personnes déplacées sont des femmes et des enfants. Alors je sais que vous irez écouter Marc Laforêt et que vous saurez que votre argent sera bien utilisé. Je vous signale que les dates et les lieux de ces concerts pourront vous être communiqués si vous nous écrivez à Musiques au coeur, 17 rue Jean Goujon, Paris 75 008. Et puis nous nous retrouverons nous dimanche prochain pour un autre Musiques au coeur, Musiques au coeur de la danse. Je voudrais aussi vous dire que Natalie Dessay sera à Aix-en-Provence cet été, puisqu'on reprend la flûte enchantée, où elle est une reine de la nuit qui n'a pas fini de faire s'extasier ses admirateurs, dont vous êtes et dont je suis. Et si vous pensiez vous laisser glisser tout doucement dans le sommeil, pour nous quitter, bien c'est raté, parce que c'est Bernstein qui va vous accompagner. Bonsoir, à dimanche prochain.